peux plus réfléchir. Ah, mais comment on dirait maintenant comment? Comment c'est en a posé hier, non? Déjà les crampes, non? Je te donne le reste de 20 au plus tard vendredi prochain. Oui. Si ça arrive, moi, dans ma tête, même William, quand moi quelqu'un commence à danser comme ça, moi je n'aime pas. J'aime un truc comme ça. Et maintenant, mais là-bas, tu es qui sans mais? Oui. Oui, le problème, c'est que tu vas me faire reçu, non? Mais là-bas, tu as écrit 100 000. Oui. Mais c'est pas ce qu'on s'est dit. Ça cause problème. Ça cause problème. Moi, ce qu'on s'est dit, on a écrit 100 000 là-bas, uniquement et uniquement si directement je suis 10 000. Ça dérange. On change mes certains. Mesdames et messieurs, bonjour. La vidéo que vous venez de voir là, c'est une vidéo que William Senou et son épouse a mis sur la page de son épouse hier pour vouloir teigner mon image, dans l'intention de teigner mon image. Sauf que dans cette vidéo, ce monsieur m'a rendu héros sans même s'en rendre compte. Avant de continuer, je voulais d'abord parler à Laetitia parce que j'ai lu ton post. Les gens m'ont tagué, je suis allé voir. J'ai lu. Je voulais te dire, ma fille, je ne sais pas si tu es naïf ou bien si tu sais ce que tu fais. Je voulais juste te dire, éloigne-toi de ce problème. Parce que sur cette vidéo, on voit bien comment tu étais derrière, tu passais, tu étais là. Tout ce qu'on a causé, tu étais là, tu as entendu, tu connais la réalité. Et tu sais ce que ton gars t'a fait. Et comme tu es prête à vivre avec le serpent pour de l'argent, tu le soutiens. Fais très attention. Depuis que j'ai parlé de ce problème, je n'ai pas évoqué ton cas. Ne crois pas que je n'ai pas ta vie en main. Arrête tes conneries que tu vends le rêve aux jeunes filles. Que tu montres que tu es heureuse. Pourtant, tu es la plus malheureuse. Où est passée la femme de William Sinou, sa femme de galet avec les enfants? Tu es venue t'installer et mettre celle-là dehors ou quoi? Je m'arrête là. Ne fais pas, n'essaye pas. Que j'ouvre ton dos. C'est parce qu'il fait une vidéo sur toi. Même sorti pour marcher là. Tu vas même plus sortir de chez toi. Je m'arrête là. Par respect. William Senou, dans cette vidéo, tu es tombé très mal. Et tu ne sais pas. Tu as fait la plus grosse erreur, la plus grave erreur de ta vie. Je viens chez toi. Tu me filmes d'abord sans mon autorisation. Et tu postes sans mon autorisation. Je te rappelle que toutes les images que moi je manipule se trouvent sur Facebook. J'ai les sources. Toutes les images que vous voyez, les couleurs d'images là font là, travaillent avec là, ils ont les sources. C'est que si on leur demande que tu as pris telle vidéo, et tout ce qui se retrouve sur Facebook, tout le monde peut manipuler. Mais ça, c'est une vidéo privée que tu as filmée. J'ai même signé les contrats avec les gens de leur mariage où moi, j'ai dit que je dois être caméraman. Quand j'ai posté quelques images de leur mariage, ils m'ont demandé d'enlever, ils n'ont pas le droit. Tu ne sais même pas le risque que tu cours. Et ma vidéo encore sur ta page. Tu ne connais même pas le risque que tu... C'est condamnable. Deuxième chose. Tu as prouvé aux yeux du monde entier que moi j'étais vrai sur tout ce que je disais. Tu as prouvé que tout ce que j'ai dit venant de toi est vrai. Or, les gens viennent me raconter que je suis jaloux de toi, je veux gâcher ta carrière. Si moi je voulais gâcher ta carrière, actuellement je serais au parquet. Je serais en train de porter plainte. Et dans ta vidéo, tout le monde comprend que je suis honnête, je suis sincère dans ce que je dis et ce que je fais. Parce que si tu avais trouvé juste un motif pour me clouer, c'est la convocation que tu devais me donner. Si déjà tu as pris la peine de garder une image, quelle était donc ton intention de faire cette vidéo gardée? Si tu as pris ça et posté, c'est-à-dire que tu as cherché comment faire pour me nuire. Tu n'as pas trouvé. Tu as dit que bon, je me balance cette vidéo aussi sur la toile. Une vidéo même que selon toi, tu as sélectionné les parties les plus mauvaises. Parce que dans cette vidéo, mais l'intégralité, il y a des bonnes parties. Tu n'y as pas mis. Tu as, selon toi, c'était la mauvaise partie. Or, qui montre même plutôt que je suis clair dans ce que je fais. Tu me comprends? Tu sais combien de personnes, hier, quand tu as posté ma vidéo, m'ont appelé pour me dire que je leur confie le dossier, ton dossier, parmi lequel un avocat au barreau, que je leur confie ton dossier parce que tu es tombé
Et c'est le motif que beaucoup voulaient pour te clouer. J'ai dit que ta justice sera divine. C'est Dieu qui va régler ton compte. Parce que moi, courir derrière toi pour te porter plainte, c'est me rendre petit. Je ne vais pas me rabaisser jusqu'à ce niveau. J'ai dit ce que j'avais à dire parce que j'avais mal. Et j'ai balayé, j'ai passé l'éponge dessus. Si moi, je veux te nuire, William Senou, je me te mets mal à l'aise. Ne crois même pas que tu as les relations. Méfie-toi de l'enfant d'un orphelin qui marche selon la droiture, qui est clair dans ce qu'il fait. Méfie-toi. J'ai les personnes qui me soutiennent. Même sans argent, j'ai les personnes qui, je leur confie mon dossier. Ils te mettent mal à l'aise. Même depuis l'international, n'oublie pas que je suis suivi à ce. Voilà, William Senou. On prend rendez-vous chez toi. J'arrive chez toi, tu me dis, bon, tu m'as d'abord dit, tu m'as dit 100 000. J'ai supplié quelqu'un. Ce que je peux avoir, ce n'est que 50 000. Je suis accordé que je vais te donner 30 000 et j'ai fini 20 000 après. C'est ce qu'on a conclu. Je suis parti. Et je t'avais dit ce jour-là que je suis en train de négocier avec une fille. Si elle valide, son mari, qui était un blanc, va donner 100 000. Et s'il donne les 100 000, tu me remets mes 30 000. C'est ce qu'on avait causé à la veille là. Et même dans cette vidéo, je dis bien que si ça ne peut pas, parce que tu compliquais, j'ai dit que si ça ne peut pas aller, gars, parce que moi j'avais affaire, toi tu disais que tu n'avais pas le temps, que j'ai saisi les trucs de reconnaissance, machin, truc, tout ça là, tu viens, tu signes seulement. Et tu m'as donné le texte qu'il fallait saisir, j'ai saisi et je suis venu avec. Quand j'ai mis la somme, ça, tu as dit que non, tu ne peux pas, j'ai dit que ok, d'accord, si ça ne peut pas, les sons à 50 000 comme prévu, je te donne ça la semaine prochaine. Elle n'est pas très donnée. Quand il y a pas les 30 000 maintenant et 20 milliards, c'est dans 2 semaines. Si ça dérange, je pense qu'on saisit, on change, mais c'est pas nous. Quand tu as vu que j'étais trop sérieux, tu as dit que ok, d'accord, j'accepte l'autre proposition que tu me donnes avec celle-là. Si elle ne me donne pas les 100 000, on va aller sur la base des 50 000. Pourquoi tu n'as pas mis la vidéo jusqu'à la fin? Fallait mettre la vidéo pour qu'on comprenne ce qui s'est passé jusqu'à la fin. C'est un deal, man. C'est le business. C'est moi qui viens te voir. Tu as tué nos rêves. La fille a dit plus jamais. Elle ne va plus jamais faire le cinéma à cause de toi. Elle est sortie dans ce milieu-là. Tu veux que je vienne ici raconter ce que tu as fait, ce que tu as proposé, ce que tu parlais à la fille derrière mon dos? Le jour qu'on arrive à Oja, la fille que je suis allé voir, le jour qu'on est arrivé chez elle, c'est son blanc, c'était un Français. Père à son âme, Corona l'a tué. Le jour que tu viens prendre l'argent, tu étais assis dans son salon. Le blanc a appelé Clarisse à la cuisine. Clarisse m'a appelé. Le blanc nous a dit devant Clarisse, elle peut témoigner, que le monsieur qui est assis là-dedans n'est pas sérieux. Le blanc t'a vu venir. C'est moi qui convainc le blanc par A plus B que non. Le monsieur-ci est sérieux. J'ai discuté avec lui. Ce qu'on raconte de lui, c'est faux. Il dit que même le premier jour que tu es venu sur le plateau de tournage, c'est moi qui fais tout pour que les 100 000 la sortent, pour que le monsieur la sorte les 100 000. C'est moi qui fais tout et tout. J'ai mis toute mon énergie possible. Flatter le monsieur là pendant 2 jours pour qu'il... Même le jour même qu'il voulait de l'argent, il disait toujours que je doute de ce monsieur. Il ne savait pas le pourquoi. Pourquoi il n'a pas parlé de ça de moi? Quand sa femme est allée lui dire que voilà un monsieur que je veux travailler, il n'a jamais dit que je vois ce monsieur et que ce monsieur, que moi je suis mauvais. Mais toi, ton premier jour qu'il t'a vu, il a dit que le monsieur, s'il n'est pas sérieux, s'il vivait, il allait te le témoigner. Même Clarisse, elle nous suit. Elle peut témoigner cela. Le premier jour que tu es venu sur le plateau, même le premier jour qu'on a commencé le tournage, le monsieur a toujours dit que le type cinéma pas l'air sérieux. Vous allez certainement vous poser la question à savoir, donc tout ce problème, tous ces bavardages-là, si c'est pour un problème de 50 000, 70 000, 100 000. J'ai lancé une formation où je demandais seulement 5 000. Une formation qui coûte aussi cher. Je demandais seulement 5 000. Les Camerounais n'ont pas pu avoir 5 000. Vous comprenez dans quelles conditions on est. À forte raison, un Camerounais qui se sacrifie cotise 50 000 dans sa galère pour aller donner à quelqu'un. Mais c'est un deal. Je devais avoir 30 000. Parce que tout le projet était sur moi.
quand je prenais mes... Bon, je venais avec ma voiture à l'époque, j'avais une 110. Qui carburait ma voiture pour porter les artistes, aller partout, partout, tourner? Qui carburait? C'était moi, non? Tu connais ce que j'ai dépensé dans la dernière web série? J'ai dépensé plus de 400 000 derrière cette web série. Qui n'a rien, qui n'a ni... Qui n'a pas... Qui n'a rien, qui n'a abouti à rien. Et tu m'as traité comme une mouche à la fin. C'est ça qui me fait mal. Ce n'est pas l'argent qui me fait mal. C'est pas tout le... C'est la manière dont tu m'as traité, ton comportement au temps. Dans la vidéo, montre bien comment je ne veux pas écarter la fille. Je suis clair dans ce que je fais. La vidéo a quoi de mauvaise? Juste que tu viens mettre ça que je suis malhonnête. Ce n'est pas son projet, Matt. C'est mon projet. C'est moi qui viens te voir. Ce n'est pas elle qui vient te voir. Je pouvais ne même pas parler d'elle. Je ne sais pas si on se comprend. Je pouvais ne pas parler d'elle. Juste moi, j'ai fait mes oui dans les trois ans. La toiture. Je pouvais, mais si je veux, j'enlève son nom. C'est parce que j'ai un projet que je vais proposer. Et j'ai proposé à plusieurs filles. Elles m'ont largué. Elle a accepté de travailler avec moi, comme il t'expliquait l'autre jour. Pour moi, c'est pour ce respect-là, je ne peux pas faire un truc et lui cache. Pour moi, c'est pour ce respect-là, je ne peux pas faire un truc et lui cache. Pour moi, c'est pour ce respect-là, je ne peux pas faire un truc et lui cache. La même période-là que tu as pris ma chaîne, Ouma Sangou, qui a la chaîne TikTok Web Série, était en train de te voir aussi pour sa chaîne YouTube. Parce que lui-même, il était en train de créer sa chaîne. Si vous partez sur la chaîne TikTok Web Série, vous allez voir que les deux premiers épisodes, c'est moi qui joue. C'est moi qui ouvre la balle de la chaîne YouTube de Ouma Sangou. TikTok Web Série avec leur série Amour Défendu qui a fait une bombe. Il a même eu l'écran noir. C'est le dernier à avoir l'écran noir. Vous partez sur TikTok Web Série, vous allez voir. Les premiers épisodes, c'est moi. Je suis acteur. La même période là, Ouma Sangou était derrière toi. Et heureusement, la période où il vient te voir, c'est où tu me traitais, tu me... C'est où je dis à Sangou que fais attention, attends d'abord un peu, on voit un peu le rythme du gars, c'est parce que ces mouvements-là m'inquiètent. Et après, je lui ai dit que n'essaye pas, c'est malhonnête. Ouma Sangou allait ailleurs. Tu vas m'appeler Ouma Sangou, tu vas lui demander 100 000 au départ. Après, tu as dit que non, ne me donne même plus l'argent. Travaille en pourcentage, le gars t'a dit que jamais. Tu as tout fait, il a dit que non, je ne veux plus. Tu dis que si je veux te nuire. Gars, même au pays, ne crois pas que vous êtes les seuls à avoir les relations. Mon ami, si je te porte plainte, tu sais combien l'argent que tu as pris là devait déjà produire jusqu'aujourd'hui. Supposons même que c'était seulement 50 000 qu'on avait conclu au départ. Oui, je te donnais les 50 000. 50 000 là, tu sais ce que ça pouvait produire? Si nous, on te poursuit juste pour la narle là depuis 2 ans, c'est ce que tu vas nous verser. Et la vidéo confirme bien que tu as pris mon argent et tu n'as pas fait le travail. Tu es tombé très mal. Voilà les choses de Dieu. Tu postes une vidéo qui te montre, qui te met à nu. Voilà la preuve que tu as pris mon argent. Et tu ne m'as pas rendu le service. C'est déjà beaucoup. Nous, on est aussi les racines, man. Nous, on s'est déjà implanté, man. Mais nous, on n'est pas là pour chercher les problèmes. La seule chose qui m'empêche de te nuire, la seule chose, c'est que moi, j'ai même dit, aux gens qui m'ont appelé. Tu connais combien de tes petits m'ont appelé pour me poser le problème que Franco aide-nous. Voilà ce que Ulam Senou nous a fait, machin. On n'a pas le pouvoir, on a peur. C'est que le nombre des enfants, j'ai dit qu'il n'ai pas créé mes plateformes pour les règlements de compte des gens. Tu connais les enfants, ils sont derrière moi. Tu viens me répondre, poster ma vidéo pour endormir les gens, les accusations qu'on a créé fait sur la petite fille ou c'est qui là qui est en train de se traiter de quoi, machin, sodo, machin, quoi là. Tu veux endormir les gens? Qu'est-ce que tu attends pour faire une vidéo et dire que la petite fille qui raconte les choses sur toi, on ment. Elle ment. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour porter plainte pour diffamation de nom à cette fille comme elle ment? Tu attends quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'on raconte sur toi est vrai, non? Si tu gardais ton silence, tu préfères plutôt attaquer Franco pour endormir les gens. Fais d'abord la vidéo. Avant d'attaquer Franco, fais d'abord la vidéo et réponds à toutes ces accusations qu'on fait sur toi. Ce qui m'empêche de te nuire, c'est ta petite fille qui est à la maison là. Parce que quand je vois cet enfant innocent, je pense que j'ai aussi les enfants. Je pense que j'ai les enfants. Je pense à mes enfants. C'est pour cette raison, c'est pour ta petite fille là comme moi. J'ai dit que je ne vais pas courir derrière toi. Je ne vais pas te nuire. Retiens bien cela. Si tu vivais seul,
j'allais faire un challenge avec toi. J'allais me montrer que nous-mêmes aussi, on peut déjà taper la main sur la table ici au pays. Mais uniquement pour cette petite fille, j'ai laissé tout tomber. Et je peux même dire ici que je t'ai pardonné pour tout le mal que tu m'as fait. Tu n'étais pas le seul à me faire du mal pendant que je cherchais la visibilité. Vous êtes nombreux, mais tu es le seul que j'ai gardé dans mon cœur. Parce que ton comportement, tu sais ce que j'ai investi pour la web-série là, les aventures de Franco le Mignon. J'avais un contrat avec Clarisse. Elle était en coproduction. Tu sais à combien on louait les caméras? C'était moi qui gérais tout ça. Tout le matériel, c'était moi. Les techniciens qui travaillaient, le monteur qui payait. Clarisse gérait make-up et peut-être s'il faut manger sur le plateau. Après les 100 000 là. Le reste jusqu'à toi, tu prenais seulement, tu diffusais. Le reste, tout ça vient te donner. Les réalisateurs ici au pays, quand quelqu'un veut faire seulement sa web série, les gars demandent 30 000 par épisode pour réaliser. On a tourné combien d'épisodes sans compter les acteurs que tu m'imposais qui devaient les payer. Aujourd'hui, tu veux venir jouer au bon samedi, tu prends ma vidéo, tu poses, tu écris ça malhonnête. Qui? Moi, je suis malhonnête. Tu es l'ombre de toi-même, je t'ai dit ça. Si ça ne dépendait que de moi, parce que tu ne sais même pas ce qui est en train de venir derrière toi, je ne te dis même pas. Tu as eu le premier Cool Black, tu as appelé deux de tes petits de faire les vidéos, de faire les directs pour vilipender Cool Black, non? Ils sont dans les problèmes actuellement, non? Pourquoi tu n'as pas demandé à ta femme, Laetitia, de faire aussi les directs? Tu as noyé les enfants de trucs. Tu as protégé ta femme. Eric, le retour qu'on vous a vu tous ces derniers jours-ci ensemble, il est où? Vous êtes dans la merde des problèmes. Atangana Leblanc, que tu as tourné avec lui pendant longtemps, il est où? Vous êtes dans les sérieux problèmes, non? Rob le Christlier, je vais citer qui est laissé l'autre. Tu es l'ombre de toi-même. Tu vis avec qui? Ulam, c'est nous. Qui? Tu es avec qui? Actuellement, où tu te regardes, tu es avec qui? Tu as les problèmes avec tout le monde. Mon frère, courir derrière toi, c'est me rendre tellement bébé. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps. Je te laisse face à ton destin, face à ton créateur. C'est lui seul qui va décider de ton sort. Je n'ai pas besoin d'aller me salir, pas porter ton karma en te portant plainte, t'enfermer et tout ça. Ça ne me sert à rien. Et si ça dépendait de moi, tous ceux-là qui ont la rage de t'enfermer, là, ils laissaient tout ça. La justice divine est très puissante et très forte. Ça ne dépendait que de moi, ils laissaient tout ça à Dieu. Parce que tu as chuté. Tu es même déjà. Tu as même déjà chuté. Tu fais juste semblant de montrer aux gens. Et on peut là voir cet grand amour que tu fais semblant de montrer à la petite innocente qui est chez toi. De quel amour tu montres. Un méchant comme toi, quel amour tu montres aux gens. Tu n'as personne. Elle est la seule là actuellement qui te soutient. Toutes tes plateformes sont devenues quoi? Tu te sers d'elle. Tu profites derrière son étoile. Parce qu'en fait, la fille a une étoile. La fille a une étoile. Tu profites juste de son étoile. Mais mon frère, j'espère que tu ne vas pas finir comme je pense là. Je t'ai dit, je t'ai donné un conseil depuis. Quand tu as joué au l'orgueilleux, ou tu peux faire des postes, tu dis que le lion ne court pas derrière, ou c'est le chat, ou c'est derrière, ou c'est le c'est quoi. Tu fais les postes pour montrer ta grandeur, dis comment tu es grand. Mais je te dis, le lion ne court pas derrière le chat. Mais tu es en train de poster mes vidéos en tant qu'un lion pour montrer que le chat est malhonnête. Mais je te dis, fais la vidéo et tu demandes les excuses. C'est encore temps. Fais la vidéo et tu demandes les excuses à toutes les personnes que tu as offensées. C'est un conseil. Et si tu maîtrises, bonne chance. S'abonnez-vous. Que vous êtes abonnés bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.